Salut et bienvenue sur cliboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes de Canalo Belarabino. Okay. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, yalelo, nazali, kozongela kaka, koloba, makambo yaba politicien, nabiso, oyo bazali na course pour na présidentielle, naba politicien, moussousou, ndenge kaka, ba fonctionnaire. Et puis, nalobagi nabino ke, na rotikate, na zobeta sete, na makambo oyo. Étant ami que proposition oyo à débattre na lobaki na bino ke mboka na biso tozali kokokate donc to ka sonité ezali netike compagnie e ko faillite ozo kokate mais ozo kokakolobate ke okoy faillite donc Congo na biso wana il faut ndenge na lobaki ezali à débattre pe bate bele ba derango il faut to kende to koma na biso sous tutelle donc ezali sonité pas bat musu bazo mona nete oh boina boy non to tika fier to boule bien to za objectif to vanda calme bozo ona ba sentimenté bota la 32 ans mobutu na nyanga la kato musu soyo azo ke na biso ba 20 ans donc après chadar ya ko ya soki machine à voter donc ba politicien na ba ndimi vote donc chadar ya ko gagner donc chadar déjà to bimbula ko beta te me yeba ke chadar et longine ka wana pou ko ma marque bien na teint bien alors li biso déjà ba 5 ans. Donc bah on est déjà car bah 5 ans pour les longinaye. Donc vraiment nazo beta c'était na kotika yango te pas mutumso alobaki nanga oh non ezali ba individuité ezali ba institution. Ah ba institution we c'est singa ba institution ezali dirigé na banani. Na ba médiocre kaka wana te. Donc ba institution e ko marcher bien ce qui batou ya bien. Ba vandikuna o monaka na bamboko ba institution marchera bien parce que batou o baza wana baza ba médiocre te. Et puis l'exemple vient d'en haut. Donc bisokuna tozali ko tourner en rond. Donc toyoka sonité tolo bateka toko ba ko seka biso na Afrique. Non, botel ba pays musu ba Afrique du Sud. Botel ba pays musu so ba mindele ba vandai kala. Tandenge marcha. Et sali teke to teke mboka to pesi mboka pendant 30 ans na ba américain, na ba allemand, na ba belge ko tout to longu ba belge, ba français boko mona ba ko zwa ba minere na biso ba ko yi ba susu te komi penza donc na papier donc bino bozo ba nere mais ezali boye 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 dans 5 ans tolingi bobokumona mututu arabando vivre bien bo piteur kozala ba makam tout donc bozo boule tile loki na mboka na biso ma ezala raté na capital courant ezala raté donc courant soko ezala ekata na kakata na mboka nini kozala ndenge wana depuis 1960 tile le donc wana na kotika ka yango te ezali te ke ngai bolba seza ngadi ateki mboka seza ngadi po azolo ba bo boule bien bo boule bien to ka sonité to longola sentiment sous tutelle congolais nyo surtout oyo ya mukie azala ndenge ni do yo ba congolais donc na sous-titel wana soki mboka na biso ba mindele bazui donc muta kozala sans ressources azate donc ba passeport a bien makambuto a bien ba frontière na biso ya bien donc parce que mundela kozala intérêt na ye ya ba minerai biso siko to ko se retrouver na ba minerai wana e ko pesa biso ba moyen que mboka ekende bien parce que siko ba minerai ba to ba profiter ngo ezali ba kanachin donc ba to yo oyo peuple a profiter na honte ok minere ezali ya mboka donc wana penza na zobeta yango sete na kotika yaka yango te na kobeta yango sete to sa elango ba débat bozon pena na ndenga calme o vandi o lali o kanisi pena makamanga na lobby bo ba non Cléboa César nga di tout le monde est d'accord aza na raison donc to zongeli siko yo ba politicien bino mo bomoni so nga na zo insister sous titel bino mo bomoni bomoni kaka ba politicien na biso nde ba osala ba politicien kala bazala ko loba nini ya baba ba opoza ba bandolo ba nini oh papa Tshisekedi pe a son âme papa Tshisekedi ye mutu abandaki ko mema biso na pongia ba bébé ye mutu kali kamke siko bino bozo ke na ba belge bo vandi so bo sel nitika je val kakate en miniature et puis après bozo nga boyokana siko bino papa Tshisekedi banda kende lo kunina ngo sala penza ke o penza to moni ke non abasa li penza kanami bo sali ge bozo landa kama kama papa Tshisekedi ya mando sala donc bino soki papa Tshisekedi ola sa biso pongia ba bébé donc bino ponga bana do ponga ba mikolo parce que bozo sala rien bozo sala na bino rien boke bokutani kuna makambo lobi eza makambo moko deja to suite oyoka a moins que bo bombage makambo lingolo ba ona kamera te met tozo zila pe ou me la pété parce que soki komi décembre élection legina machine à voter et komi trop tard et komi nango donc fitakane komi nango makambo susu donc bo soki bozo na ba masolo na bino a 4 il faut bo sala ngo avant décembre pas to mona ki bango bazai kuna bakutani donc kamera bemba tu sais que dit au mususu azalaki ex premier ministre wana boyebi wana muzitu bakuteni kuna basololi entre tatamba osola ka wana mwana kasavubu ya mwasi wana boyebi mwana kasavubu mwasi yepe asangisi batuna ekuna na relaxa bino na ba image na kasi bulandana na ba image botala oyo mwana ya kasavubu yepe kuna na Belgique asali gouvernement na ye
alobi ke gouvernement wana yango mutu komema masolo bien yango mutu ekolongola kanambe na yebite soki gouvernement wana na poto soki ezo traité ba dossier par correspondance soki na internet donc ba za internet na yebite zaneti donc Emmanuel Lungazali ministre de diaspora azalane na kin azalane makamba diaspora te to yebite soki gouvernement oyo ya Justine Kasavubu soki azo salango na soki vraiment na ebité azali congolais azana droit ndeke moko expliquer ki na question ya confrère nanga poser question moko kitoko alimia mais ya lobby azali congolaise azali congolais azana droit sal ko Mexico gouvernement wana et ko servir na nini pas bino moko abomona désordre écran na côté opposant et puis na comprendre raté Justine Kasavubu wana azali quand même opposant moko azali na Belgique banda kala mais soki batu bazwa na Belgique basala makam na bon ba associé kayé té pourquoi ba associé kayé na makam na bangote bon lem so azaki français à Monique ndenge ni yé pa ngosa l'actualité na yango na bi bunga pe na beta gouvernement nga asali penza gouvernement na yé bo kabino moko composition ya gouvernement na yé oyo alobi na ba question ba journaliste puisque l'objectif est clair c'est-à-dire que nous devons absolument libérer notre pays nous devons déloger l'occupant. Et donc là, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Et pour ce faire, nous avons considéré que ce gouvernement, dont lecture va vous être faite tout à l'heure, eh bien, c'est un gouvernement qui a réuni les Congolais courageux. Parce que les consultations que nous avons entamées depuis l'élection fin juin jusqu'à ce jour ont pu aussi démontrer toute la difficulté qu'il y a au sein de la diaspora. De se définir non pas en tant que volontaire pour le changement au pays, mais aussi en tant qu'acteur. Merci. Gouvernement de la diaspora congolaise, RDC. 160 Avenue Gilles Bordet, boîte 16, 1140 Bruxelles et Vert. Le gouvernement de la diaspora congolaise se chargera de mettre fin à l'occupation rwandaise, de restaurer la souveraineté de la République démocratique du Congo, la dignité du peuple congolais et la démocratie. Il est composé de ministre de la diaspora chargé des finances, M. Bernard Lutungu Mbona, ministre de la diaspora chargé de l'intérieur et de l'intégrité territoriale, M. Paul Kapita Chambangi, ministre de la diaspora chargé de la communication et des presse, M. Bruno Kasunga. 4. Ministre du gouvernement de la diaspora chargé de la promotion de la femme et du progrès social et économique, Mme Bintou Nabindi Mulongo. 5. Ministre de la diaspora chargé de l'éducation nationale, M. Roger Poiti. 6. Ministre de la diaspora chargé de l'énergie, M. Fouele Diangui Toukoua. 7. Ministre de la diaspora chargé des droits humains, M. Laurent Mbangu. 8. Ministre de la diaspora chargé des travaux publics et urbanisme, M. Jean-Pierre Ilela Lomanga. 8. Ministre de la diaspora chargé du plan et de développement scientifique, M. José Zouzi Diangienda. 9. Ministre de la diaspora chargé de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, M. Kungu Luziamu. 10. Ministère des Affaires étrangères, ministère de la Défense, Sécurité et Justice, géré par un comité stratégique restreint. 11. Délégué du gouvernement de la diaspora, chargé des actions de terrain, M. Henri Mouquier. 12. Délégué du gouvernement de la diaspora, chargé de la promotion des petites et moyennes entreprises, M. André Mabiala. 13. Délégué du gouvernement de la diaspora, chargé de la jeunesse, M. Denis Bitumba Mpongo. 14. Ambassadeur du gouvernement de la diaspora congolaise aux États-Unis, M. Sylvain Mbumba. Fait à Bruxelles le 12 septembre 2018. Je vous remercie.
Voilà, donc moi c'est M. Alimi Amongala. Madame Juste Kassavougou, ma première question, c'est que nous venons donc de suivre la liste du gouvernement qui a été publiée. Moi je veux savoir si c'est vraiment du sérieux. Hein, vous êtes, nous sommes ici à l'extérieur, vous êtes à l'extérieur du pays, vous venez de publier un gouvernement à l'extérieur du pays. Vous n'avez pas de l'impérium. Comment vous allez faire pour mettre en pratique votre programme? Parce que, de toute façon, les Congo, c'est à 8000 km. Hein. Nous sommes ici à l'extérieur. Comment vous allez faire pour effectivement changer la situation en RDC? Ça, c'est la première question. La deuxième question, en tant que responsable, j'aimerais savoir si vous allez vous surpasser, vous en tant que responsable, surpasser pour, disons, rencontrer d'autres leaders de l'opposition, bien que vous avez dit qu'ils ont failli le raconter, notamment Jean-Pierre Bemba, et Moïse Katumbi, Félix Tshilombo, pour essayer un peu de busquiter, hein, chercher de voies et moyens, afin donc de trouver une solution, de sortir finalement de cette crise que notre pays est traversé. Merci. Je vous remercie pour cette question. D'abord, je suis un peu interloqué par votre première appréciation. Est-ce que c'est du sérieux? Je ne sais pas si en 40 ans de lutte ou 30 ans de lutte, s'il y a une seule fois où nous n'avons pas été à la mesure du sérieux que le peuple attend de nous. C'est samedi 22 septembre 2018, c'est la rentrée de l'émission Rendez-vous avec le patriote de César Ngadi Kleboa. Pour la rentrée 2018-2019, mon invité est Guy Michaud Wanzo de l'UDPS, la bouche autorisée de Félix Tshisekedi. Patriote, patriote, Congolaise et Congolais, tout le monde a mis sous, va évaluer les bandes qu'on a mis sous. Les gens ont mis sous, ils ont mis sous, ils ont Félix Tshisekedi. Mis tout le monde a mis sous, ils ont soutenir, ils ont mis sous, ils ont mis sous, ils ont mis bon candidat au Tigali Naye, on se dit que le Fonds de soutien, Rwanda va avoir le gratis sur les choses. Alors, le Fonds de soutien, tout est soutenu, président Félix. Samedi, Oyo, 22 septembre 2018, de 14h à 16h, en direct sur la MNG Radio 99.7 FM, Nakoyambe Labino, Guy Michaud, Wanzo, Oyo Azali, Mutuya UDPS. Poto Lebela, Makambouya, élection présidentielle, Ndengbino Morobo Yebike, va invalider ba candidat Nyosotu Yamakasi, Oyatikali, Nabiso Ezali, Félix Tshisekedi, Tokoyamba, Guy Michaud Wanzo, Poto Tunaye, ba question Nyosotu, stratégie Nini, Ezali, pour na élection présidentielle. Samedi, bon sang à terre, question tout, beaucoup, tous les pas, y'a papa César, na Rosalawana, pour na défendre, Poto Longa, pour na président Félix Tshisekedi. Ba question nabino nyoso tu bozali na yango bo hésitete bo benga biso na 01 64 38 54 68 Guy Michaud na ngai moko to ko répondre bino na mituna nabino nyoso tu. Rendez-vous pris ce samedi 22 septembre 2018 de 14h à 16h sur la MNG Radio 99.7 FM. Donc, Nazo proposer une vidéo moko boyoka muse Kabila donc Kabila Benza oya longolaki mobutu oya zalaki koloba pona ba médiocre na ba voleur na infiltration ya ba rwandais na kati ya mboka na biso bino moko bolanda muse Kabila oyo alobi le tambo mwamba tambo mwamba le zaidi ngoma lotela longa bululu Wamba Diawamba. Et vraiment une kermesse de gens, en tout cas corrompus et inutiles. Pardon, le Bizi Makara, qui était mon ministre d'Affaires étrangères, que je croyais congolais, à ma très grande surprise, quand j'avais demandé à cette armée de se retirer, et avait déjà fermé devant lui, ils disent leur armée se retire, ils se sentent en insécurité. Je dis, mais non, votre armée reste.
c'est l'armée rwandaise qui se retire. C'est pas la vôtre. Mais ils ont disparu. Et j'ai compris qu'il n'était pas congolais alors. Parce que l'armée qui s'est retirée était rwandaise. Ah oui. Un ministre congolais, un ministre d'État a disparu. Un ministre des Affaires étrangères a disparu. J'ai dit que nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. Alors ainsi on aura pu découvrir des documents où Kagame dirigeait ces gens-là, où ils complotaient pour que les Tutsis prennent la tête de ce grand pays qui n'est pas le leur. Alors, ça en est trop, hein. Le pays ne leur appartient pas. Ils veulent en prendre la tête. Quoi? Mais c'est pas possible, ça a été très grave. Bowiti Kolanda, infiltration yaba Rwandais et bandits du côté et bandits donc yétan azalaki infiltration azalaki donc moutoua eko kwa grave sou makambo ou soit disant mouana naye ou ya meme la biso donc Mouze Kabila bouyoki alobi pona baba médioko baza tile le na ba gouvernement ba fa kwa ba miyibi yako sakanate donc vraiment po boye bakaka yangona zali yangona ngani azali koinsiste na sous-titel ya mboka na biso to ka sonité totala penza makam ndenge zali ko kende to ko beta sou ba 50 ans to za na biso ka boye maye za la kate courant za la kate entre ta sokiza 50 ans na to pesa ki mboka na ba anglais na ba américain mbele masole ko za ndenge mususu donc ba opposant au baza siko donc nga penza na zo tala bino et puis peuple congolais zo ka bino boye sa biso penza eloko ni banda papa tiseke da kenda eloko ni bango kasala. Et l'on dit penza bo opposant banda papa Tshisekedi di azas souté et l'on dit bango asala parce que babe ke papa Tshisekedi di mutu abanda ko gêner bango papa Tshisekedi di azay e mo recuperer na kanachin siko bino botika la bino moko siko et l'on dit bino bosala et l'autre côté bango njo surtout siko yo ba pesi bambongo na bango donc bango penza bazo boulek penza ke non mais élection et ko longwa na kota majorité et ko kende côté na bango. Mais peuple congolais na ebité ce qui et l'on dit zo biso donc kanachin Kabila Azawa na sikoyo ayebi ndenge ba congolais ba fonctionnaka azali donc ba tout ba bandoko zelaye ke a reposer troisième mandat na candidature asali je a poser yangote parce que yemoka te parce que azoki ba pression ko sakana te ba on ba on di mate a poser te sikoyo azubiso na kataje na kidiba na ba congolais parce que ye azar rwandais azana ba jia kati donc sikoyo ayebi ke ba congolais ndenge bazarana ba to ba sentiment do ba to ba émotion ba ko ba tiki na ye omoni ke a poser to ba tout ba zota chadak ok chadar ina ye bazaba ba to moko tango asali ba jendengwa na ayebi makamunini azo sala parce que ayebi deuxième épisode ezana niveau sikoyo ya élection na machine à voter parce que machine à voter na bango ba ko tika ngote ba ko tia ngote tango sikoyo bango ba ko tchango bo opposant ba ko boya e ko suki la biso ne Yesu e suki la biso kaka na mbeba si mbeba donc mboka wana e ko zala kaka na manève parce que bo opposant bazali ko loba to mona ki fayulu asala ki makamuni asala ki programme na bimisi programme na ye est ce ko mona ki fayulu asala ki na bato ba ki awa na Belgique azana bango te moins denga azo tout ba bango pour dire ka ke opposition pour ba sangana ba pesa mutu moko e ko zala ka jamais donc bino moko botala ka kandengi makambo mboka na biso zola yangwana biso tozali ko insister 5 minutes avec ces anga de insister na makambo ya sous-titel pour mboka wana kendeka na ba mindele parce que tozali ko kokate donc na komi presque à la fin ya émission na ngai ya 5 minutes ndé kaka na lobela rabino ke donc na 5 minutes nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires donc avant assis ça na refond la parenthèse moko na okangamo pe noki ba tumusu ba moko akomela kingabo natalio non e komi ba mabange non nga na 5 minutes na tchaka ba mabanga te même na émission na ngabo ebi kinga na za journaliste oyo le ba journaliste na tchaka ba mabanga te même mama banga na ngai ezali ndeti nazo pesa ba compatriote mbote parce que ba talaka 5 minutes omono vandi compatriote abengio na musika azali kolobano makambo ya mboka azuba minute nazo loba makambo mboka donc ngande ke na dédicace ba twana batu ba e ba rateke na o dédicace bango batu ba senga ngate na dédicace bango. Donc ngai moko na koko dédicacé pété yo pour senga ngai té. Donc na senga ka na tchaka batu oyo ba benga ngai oyo ba s'intéresse à l'émission ba pesa nga ba idée ezali kaka pona ko pesa ba mombo te ezali té que émission est comme ya ba dédicace. Donc ata mobutu c'est ko kokongwe do azanga ngai ba na ki monta tché. Asale ki kutu donc pour dire que ba dédicace kota na mers na biso. Mobutu kuta asale ki ministère ya mabanga, mo pape,
mon pape est là, Guinée. Ministère à ma bangate. Alors, écoute, Macron en France, aux assauts, ça allait trois jours, bah, l'obélé, la TV, tu vois, si TV, on a un problème, tu sais. Donc, ils allaient, bah, dédicacer, ils allaient, bah, remercier, ma gaka. Natia, bah, depuis, on a abusé à rater que Monsieur Mobimbaka, bah, dédicace, on est, qui, parenthèse, n'a ça, qui, d'ailleurs, écoute, n'a pas fait sa message, moko, n'a, mon bundel, moko, en boca, on a, Londres, bo, abanda, y'a, benganga, y'a, zali, massa, petit, n'a, de Londres, petit, n'a, de Londres, n'a, c'est plein, n'a, petit, n'a, timba, n'a, c'est plein, n'a, timba, petit, n'a, de Londres, n'a, viens, n'a, les lagotons, on a, yo, 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 César, n'a, dit, donc, de Londres, donc, y'a, azali, massa, de Londres, azali, na, Londres, to, bungana, qui, azali, n'a, bah, idemo, kabia, bando, benganga, l'em, soando, kansalem, souzuke, n'a, boudé, ou bien, n'a, benga, kete, mais, n'a, zali, n'a, pas, période, à matanga, donc, y'a, moua, aroyeba, ye azali nani azalaki ko benganga to solo makamba mboka donc azalaki azape mutu ya de Londres soka zu message na ye a benganga donc avant assist mission donc na ko pesa penza ba mbote na ngai na batu oyo mi balé balanda kanga batika kanga ite donc bazali pa na bandal na pesi mbote na seba seblino na vigné sur scène awa na France moi na bandal au penza de souche oh oui penza bana bandal parce que ngana za mwana mbinza mena ndora bandal na zo mona bana bandal mais awa na pote pe misu pe ba koma bana bandal mais to bandoro mona bango te c'est Bruno Seba soki moni Seba c'est Bruno ye baraki tambola mi mi ka bango na Dede Bokeli Dede Bokeli ah Dede Bokeli penza moi na penza ya bandal parce que ye pa landra 5 minutes atika 5 minutes Dede Bokeli donc banda bandal ba soin quand on est là-bas, ce n'est pas Massananga, Jean-Paul Djamba, na Luima, et pas Ipe, ya Massananga, Gilbert Biladi, à place John Ola, côté Maki. Donc, on est là-bas, histoire à Bandal, donc, on a répété les sous qui va dédicacer Zali, na pesa kabatu oyo, ba benganga, et puis na bizarate, na salara ba dédicace à Batu. Donc, vraiment, 5 minutes, Zali, wana, pona bino, pona kote, na makambo ya kanambe. Donc, c'est ainsi que je mets fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Bobo Sanate na 2018 oyo kana chien kanamba kozoma solo na mbuntu ou na dikosi ako bikate. À très bientôt. Salut et bienvenue sur kleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. Vous allez côté la bino émission moko na sala yango depuis kala na lingi na zongi la susu ba version ba émission oyo ndé bino moko abo yebike na kleboa original tout ça la ba émission ya ndengi na ndengi donc yango na zo zongi c'est émission oyo bon botala yango ça va? Ça va très bien et vous? Ça va très bien, merci. Les droits des étrangers, c'est le sujet que nous allons aborder dans cette émission. Mm-hmm. Donc, j'aurai plein de questions à vous poser. D'accord. Donc, je d'accord, donc on va commencer par la première question. Maître Emmanuel Schliemann, que pensez-vous du droit des étrangers tel qu'il existe en France? Vaste question. C'est un droit qui est très juridique, évidemment, mais aussi politique. Et c'est un droit qui s'est façonné au long des années, en fonction des gouvernements successifs qui sont venus en France. Donc c'est vrai que c'est un droit qui est très particulier, parce qu'il y a vraiment souvent le contexte politique qui vient ajouter soit plus de laxisme, soit au contraire plus de dureté à ce droit, selon que les gouvernements veulent donner des signes aux électeurs plutôt de sévérité ou au contraire d'ouverture des frontières. Donc c'est un droit qui est très évolutif, très changeant, assez neuf aussi, donc beaucoup de jurisprudence. Et c'est un droit qui est très, très important, très complet, très dense. Vous voyez par exemple le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Bon, bah c'est quand même un gros pavé, donc il faut le connaître, mais ça n'est effectivement que le code, hein, puisque en plus vous avez la jurisprudence qui vient se rajouter à ça. Maître, j'ai quelques questions précises à vous poser. Donc tout d'abord,
Qu'est-ce que le regroupement familial? Le regroupement familial, c'est la possibilité pour un étranger légalement installé en France, donc dans toutes les formes, hein, évidemment, et en respect des règles en usage, c'est la possibilité pour lui d'accueillir sa famille proche, c'est-à-dire son conjoint légitime, et ses enfants mineurs. C'est un vrai droit qui a été façonné évidemment par les textes eux-mêmes, mais aussi par le Conseil constitutionnel, qui a été validé par le Conseil constitutionnel en 1993. Avant lui, c'était le Conseil d'État en 1978. Donc voilà, c'est un vrai soutien, c'est quasiment un droit de l'homme, en tout cas pour moi. D'ailleurs, c'est aussi dans les différentes conventions des droits de l'homme, ce droit est mis en avant, et souvent les jurisprudences s'appuient là-dessus pour valider des droits. Maître, quelle est l'autorité compétente pour statuer sur un regroupement familial? L'autorité compétente, c'est le préfet, qui va avoir 6 mois pour répondre à la demande qui lui est faite. Et alors après, il répond positivement ou négativement. Si après, de toute façon, il n'y a pas de réponse. Moi, César Ngadi, Kleboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM. Avec Sepela TV, besoin coûte au Kimabanyong et Zate. Pour ne pas avoir besoin de la rater, ça peut faire 1 mois que vous foutez 15 livres dans votre pellicule. Ça peut faire 6 mois que vous foutez 15 livres dans votre pellicule. Même plus de 1 an, si c'est plus de 1 an, non, vous foutez au canisic aux ananyonga makasi. Comment tu as été maman, comment tu as été papa. 15 livres à Pamba, pour rétablir service, non. Et je te dis, on va dans un d'accord, on va pas bien, c'est de la TV.